Bonjour tout le monde, c'est Alessandro, bienvenue sur VoixOffPro.tv. Je vous en avais parlé, il faut se faire connaître quand on est une voix off, et voici un site qui m'a contacté, sur lequel je vais m'enregistrer. Alors je voulais un petit peu vous en parler pour vous montrer à quoi ça ressemble. C'est un site qui est belge, puisqu'ils sont situés en région néerlandophone, mais on retrouve le site en français, en anglais et en néerlandais je crois aussi. Donc voilà, qu'est-ce que c'est que ce InterVoice Over? Ben en fait, apparemment, vous leur livrez le script, eux, ils s'occupent du reste. Ils ont déjà travaillé pour des grandes marques, hein, vous voyez ici. Et il y a moyen de s'y inscrire. Alors voilà, par exemple, hein, ils proposent des castings. Avez-vous une jolie voix? Vous voulez travailler avec votre voix? Pourquoi faire? Voilà, hein, vous verrez. Bon, moi, je vous déconseille d'aller faire un casting, ou en tout cas d'envoyer des voix si vous n'êtes pas un minimum formé. Hein, ils disent votre voix est agréable à entendre, vous n'avez pas d'accent, ne parlez pas à un dialecte, vous avez une compréhension du texte, vous pouvez vous mettre en scène, vous vous exprimez avec aisance. Ok, vous remplissez les critères, vous passez une audition dans notre studio d'enregistrement professionnel pour juger de vos compétences. Très bien, mais ça ne sert à rien, il ne faut pas y aller en touriste, hein, ça je vous le déconseille fortement, vous allez vous faire griller tout de suite. Par contre, voilà, si vous êtes sur la région, enfin si vous êtes en Belgique ou en tout cas la région nord de la Belgique, bah pourquoi pas, hein, et que vous êtes voix off, comédien voix off, déjà avec une certaine expérience, allez-y. Alors, donc sur ce site, qu'est-ce qu'on trouve, notamment la visite de leur studio, voilà, il y a quelques photos, hein, ça a l'air assez sympa, voilà, un studio comme on aime les voir, clair, aéré, avec un petit côté rétro et moderne en même temps, donc voilà, quelque part c'est un studio un peu... tout ce qu'il y a de plus classique et banal. Alors, qu'est-ce que je voulais encore vous montrer? Oui, donc voilà le lieu. Hein, donc apparemment, c'est pas loin d'Anvers. Hein, vous voyez ici à Braschkaart. Hein, c'est Zekerdrief. Zekersdrief. Voilà. Mon néerlandais n'est pas optimal, mais voilà plus ou moins la prononciation. À mon avis, de la rue. Donc voilà, un email. Mais j'ai vu que s'il y a des castings, donc si vous êtes voix off confirmé, vous pouvez envoyer un email également à cette adresse-là. Ils vont vous répondre. Alors ça se situe ici. Je vais revenir sur la page d'accueil. Et on retrouve ça. J'avais cliqué. Voilà, avez-vous du talent ici? En cliquant là, eh bien, on est redirigé sur une page. Voilà, voyez, c'est Casting InterVoice. Donc, pour professionnels de la voix off et comédiens voix off expérimentés. Donc, quand ils parlent d'audition, ok, mais faut quand même avoir un peu de bouteille. Hein. Donc voilà, vous pouvez envoyer vos démos. Moi, ils m'ont contacté. J'ai reçu un gentil message. Eh bien, on va faire. Voilà, vous voyez, inscrivez-vous à InterVoice, c'est gratuit. Donc, ça veut dire que je vais dans leur banque de données. Ils demandent une photo, une démo corporate, une démo pub. Et toutes les autres démos en votre possession. Alors moi, j'ai préparé trois démos. D'ailleurs, à ce propos des démos, on va un petit peu voir qu'est-ce qui se fait. Donc un bon conseil avant de vous inscrire sur un site, regardez déjà les démos des autres pour vous donner un petit aperçu de ce qui est attendu. Près de bouger, marmonna quelque chose presque à voix haute pour ne pas montrer qu'il se cachait. Puis il sonna une troisième fois. Mais... Alors là, vous voyez, c'est bon, la voix est intéressante, mais on a déjà des coups de pop dans le micro. C'est pas très vendeur, je trouve. Cette peluche vivante à quatre pattes et sa maman koala ont bien failli ne jamais vivre ses années. Voilà, là c'est très bien. Vous voyez que finalement, je dépasse pas 5 secondes, on se rend compte très vite hein, d'une voix. Enfin, petite musique, la voix démarre tout de suite, c'est très bien. Corel Dro, Women Student Suite 2014, famille et étudiants, votre créatif. Ouais, ok. Toutes les routes ne mènent pas à Essaouira. Vous voyez, c'est direct. Hein. Les aliments sont composés de nutriments. Voilà, ça c'est... Il n'y a pas besoin de trafiquer sa voix, hein, une voix naturelle directement. Là, c'est dans les voix qui sont demandées. Vous en donnez à vos enfants. Vous vous en servez pour vous laver les cheveux pour... Ouais. Cette maladie n'est pas mentale. Alors là... Et même si elles n'ont pas... Là, par exemple, ben, c'est pas vous voyez, avec toutes les voix qu'on a vues, celle-ci, ben, la démo ne commence pas tout de suite. Je vais la remettre au début. Cette maladie... J'ai déjà envie de partir, alors que voilà, il y a à peine 4 secondes, il va seulement parler. Et quand il parle... ...n'est pas mentale. Et même si elles n'ont pas les... On entend que c'est pas une voix voilà, qui a beaucoup d'expérience. La voix est un peu loin.
Voilà, enfin, c'est le sentiment que j'ai. Maintenant, moi, je ne juge pas la personne. De toute façon, je ne sais pas qui c'est. C'est le 1530. Il ne donne pas les noms. Mais il n'y a pas photo hein, entre celle-là et les autres. Il y a une différence. Jacente à la découverte scientifique d'explosifs. Vous remarquez également que les voix sont assez graves. Aussi, c'est embêtant d'attendre. Bienvenue chez WebSense, le leader mondial. Alors ça, c'est vraiment mauvais. Hein. C'est quasiment à 7 secondes qu'il commence à parler. Voilà, si on est pressé, on est déjà vite parti. À 22 km au large des côtes ukrainiennes, le docteur Robert Ballard dirige... Voilà, là, on a presque Stallone qui est là, qui fait les commentaires. Donc voilà, alors, il y a un panel de voix graves, c'est ce qui est demandé. Alors moi, j'ai des chances en tant que voix plus légère, hein, puisque apparemment, il n'y en a pas. Je vais quand même aller voir la dernière, tiens. Debout, d'après Durer. Voilà, de nouveau, donc j'ai pas entendu de voix jeune, on va voir un petit coup chez les dames. Les remorques Apert sont depuis longtemps les leaders dans le secteur des remorques, jusqu'à 3500 kg. Ça, c'est une voix que je connais. Vous êtes-vous déjà demandé comment envoyer son courrier par Internet? Le service lettres en ligne de... Voilà, très bien. Ce cours explore des sujets qui vous permettront d'approfondir vos connaissances. Ouais. Dans le planétarium, un ciel noir... Les voix féminines ont l'air un peu plus calmes, c'est marrant ça, mais c'est moins péchu que les mecs. Enfin voilà, bon, je vous laisserai le loisir d'écouter et de regarder les voix. Il y a évidemment, quand vous cliquez sur la partie voix, ici j'étais dans les voix françaises, mais voilà, il y a allemand, anglais, américain, britannique, espagnol, flamand, néerlandais. Donc c'est déjà assez bien fourni, et ils sont en recherche de voix. Alors, eh bien, c'est ce qu'on va faire, hein. Allez hop. C'est parti pour l'inscription.